On va faire maintenant la correction de l'exercice 3. Pas 5. C'est l'orthographe. A et les homonymes A et A, etc. Bon, complète les phrases avec A, le verbe avoir, ou A, le mot invariable. Justifie ton choix en réécrivant la phrase, en mettant le sujet au pluriel. Alors, d'abord, il faut remplir les vides. Par A, le verbe avoir à la troisième personne du singulier, et le mot invariable A avec accent. Accent grave. Alors, il a eu beaucoup de chance à son épreuve paralympique. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le verbe ici a besoin de deux éléments, l'auxiliaire avoir et le participe passé. Alors, je dois mettre ici A, tout simplement le verbe avoir. Ici, c'est A avec accent, qui s'est réuni. Il a eu beaucoup de chance. À quoi? À son épreuve paralympique. Au pluriel, on dit ils ont. Il n'y a pas de changement. Toujours A à la fin. N'y a pas de changement. Ils ont eu beaucoup de chance à l'heure. Attention, à son épreuve, on doit mettre ici à l'heure. Faire très attention ici. Le son, l'heure. Parce que il avec c'est pleuré. Attention ici. C'est d'accord. À leur épreuve paralympique. À leur épreuve paralympique. Ici, pas de changement. L'heure, pas de changement. Il a eu beaucoup de chance à son épreuve paralympique. Ils ont eu beaucoup de chance à leur épreuve paralympique. Son devient leur. On continue. Il a toujours voulu monter à cheval. Il a toujours. Il a. À cheval. Le réel, elles ont toujours voulu, pas de changement, ah, pas de changement. Alors, et tu n'as pas à avoir avec ça. On dit, vous n'avez pas. Bon, à voir, etc. Pas de changement ici. Il a eu beaucoup de chance à son épreuve paralympique. Ils ont eu beaucoup de chance à son épreuve paralympique. Pas de changement ici. Sauf son devient le. Il a toujours voulu monter à cheval. Ils ont toujours voulu monter à cheval. Tu n'as pas à avoir peur de participer. Vous n'avez pas à avoir peur de participer. Voilà. C'est parfait. L'exercice 3, vous faites très attention à la place de A, le verbe avoir, troisième personne du singulier, et A, un mot invariable, et A avec S. Surtout, c'est la deuxième personne du singulier.